Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tournoi des fleurs, le 23e qu'on fait ensemble, et celui de la Saint-Sylvestre, car nous sommes le 31 décembre 2023. Bonjour à Maëlle qui est déjà dans le chat, comment ça va Maëlle? Le tournoi va ouvrir ses portes dans quelques secondes. Et je rappelle, 162 points, notre objectif de la journée. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière, durant le tournoi de Noël. C'est parti, c'est ouvert. Bonne chance à tous les participants. Bonjour, Chatoun. Comment tu vas? T'es en forme? Salut Camille, ça va? Here we go. Et je prends Pauline. Bonne chance, merci Chatoun. Très bien, pas de soucis Camille. Merci pour les bonnes chances pour le tournoi. Et je commence par un aléatoire. Ok, un petit peu de retard pour vous, Chatoun, pour le tournoi. De toute façon, ce tournoi, on peut le faire n'importe quand. On peut arriver à 16h, 16h15, même 16h20, 25, même 16h29 si on veut. Chacun fait comme il veut. Salut GG, ça va? Et on commence par Riverside Park. C'est parti. Bon courage à tout le monde. Allez, j'espère que ça va bien se passer. Déjà, j'aimerais éviter les items du début, hein, qu'on se prend dans la poire. Attention, la boule de feu du petit Yoshi. Ouais. Ça touche? Ça a touché le donkey. Yes, ça a déjà commencé. Attention les bananes, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Trop de bananes autour de lui. Ouais, je suis déjà à la traîne. C'est pas bon. Attention la plante. La plante avec les courtes pattes, j'adore. Attention la bile, attention l'étoile. Oh là là, le danger qu'il y a partout. Je suis dernier. Ça commence bien. Ah, je pensais avoir au moins des champis ou quelque chose comme ça. C'est une cata. Il va me renverser. Il a voulu me renverser, donc. Si j'ai pas des... Eh bien, ça commence extrêmement bien sur les chapeaux de roue. Oh, ça va commencer sur une 12e place. Magnifile. Magnifile, magnifique. Je dis n'importe quoi. Ah, vous avez joué ensemble hier, Chatoun, avec GG. Sympa. D'ailleurs, je t'ai vu, Chatoun, hier aussi. J'ai fait une petite pause, j'ai bossé un petit peu hier soir. J'ai fait une petite pause de 3 quarts d'heure, 1 heure. Et je t'ai croisé, avec ta sœur d'ailleurs, qui a changé de pseudo sur MK8. Bon, il faut redresser la barre. Pauline, je compte sur toi. Protection, voilà, on l'a plus déjà.
Je récupère 2-3 pistes. Attention, le double item peut-être. Aucun item. Sûrement. La rouge. J'étais pas sur lui. J'en peux plus de Sunline. Et je suis dernier, encore une fois. Attention, je crois qu'il a un klaxon derrière, non? Ouais, je crois. Hein. Oh, mais c'est pas possible. Voilà, chante pour décompresser Pauline. Allez, dernier tour. On a remonté un petit peu. J'ai pas d'item. Je ne veux pas d'item. Il me faut absolument le double. Je l'ai pas. Et je me fais croquer. J'ai l'impression que c'est encore pire que la semaine dernière. Oh, puis des erreurs, mais c'est... Bon, c'est pas grave. On se dit qu'on va remonter plus tard. Voilà, ça se fait ma tête. Vous pouvez trouver ça bizarre, mais... Allez, jardin volant. Celui-là, logiquement, je le maîtrise bien. Oui, dur ce début de tournoi. Allez. J'ai 4 pauvres petits points. C'est triste. Alors ça pousse, hein. Ça se bouscule, voilà, j'ai pas pu avoir le double item, je suis dans les... Mais c'est incroyable. Des champis. Magnifique. Allez, on passe quatrième. On est même troisième. Faut le rester. Attention, je me protège. Lui, voilà, il a plus de protection. Logiquement, je sais pas ce qu'il a. Allez, comme ça, je prends les items en deuxième. Parfait. J'ai un klaxon si une bleue arrive. Attention. On est premier, je sais pas ce qu'il fait avec sa verte derrière. Je sais pas trop, j'essaie de voir ce qu'il a en même temps, j'essaie d'avoir un œil devant. Hein. C'est toujours mieux. Là je sais pas ce qu'il peut avoir. Voilà. Oh j'ai pas de bol. Mais bon, une deuxième place, c'est toujours mieux.
Il y a 210 personnes aujourd'hui, encore moins que la semaine dernière. Ok, ok. Non, c'est peu, effectivement, Chatoun. Mais nous, on est là, présents. D'ailleurs, c'est quoi vos objectifs aujourd'hui, ceux qui participent ? Let's go. Attention, il y a une rouge juste derrière moi. Je sais pas si tu la sors ou pas, ta rouge. Ah, la banane, magnifique. Qui me met au fond du trou. Mais pourquoi on a détruit ma rouge? Ok, je vais m'en servir tout de suite. Et j'ai qu'une petite pièce. Ça n'avance pas, Sam. Attention, attention. Purée! Allez, on balance. Oh, bien ça! Magnifique cette bleue. Le backspam de la verte. Des champis? Excellent! Que demande le peuple? Que demande Pauline? Attention, il y a une rouge. Je sais pas trop, la banane. Il m'a pris le double, donc. Ah, je suis dégoûté. Eh oui, je suis dégoûté. Je suis dernier. Je suis dernier. Mais quel dépit. Est-ce que je vais... Non, non, ça va être dur, ça va être dur. Oh là 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 là. Tu vas dire 110 ton objectif, Chatoun. Bon, je fais un début de tournoi assez catastrophique. Mais je suis pas plus inquiet que ça. Comme vous le savez, c'est souvent mes débuts de tournoi qui sont assez difficiles. Et je me reprends après. Alors, prochaine room. Qui est premier ? Will, avec son petit Yoshi vert. Julie, troisième. Chatoun, ah mais c'est ta room, Chatoun. Alors, peut-être que je serai pas dans celle-ci, je sais pas. Ça dépend... Oh, je viens de lire ton message. En 4 courses, tu as eu 9 points. Tu m'écris, j'ai jamais vu ça. Tu m'étonnes. Oh, c'est horrible.
J'ai failli faire ça aussi. Hein. Si j'avais pas eu la deuxième place, j'aurais été un petit peu la même, puisque du coup, j'ai fait 12. 12, 10, 2, 12. Si on enlève le 2, ça fait 5 points. Et heureusement, les 12 points m'ont sauvé de ça. C'est encore pire que la semaine dernière. Ah, j'aurais dû prendre l'Akbou. Bon, tant pis. GG qui nous dit objectif aujourd'hui 90 points. quand même pas. Ah bah, bien joué, Chatoun. 22 points en deux courses pour toi. J'ai jamais fait ça non plus. Tu as pris 10 et 12 alors, t'as fait 3 et 2, ou 2 et 3. Ou première et 7 points, c'est combien 7 points? C'est qu'on est 7ème, 6ème, je sais plus. Je voulais pas une ville parce que les villes en tournoi, ah, je les trouve tellement dures. Il peut se passer tellement de choses inquiétantes pour nous. Que je suis pas très fan des villes durant le tournoi. Attention, la rouge derrière. Chatoun, je te vois devant. On récupère quelques pièces, on en a 8 déjà, c'est bien. J'ai eu le premier, du coup je passe premier. Alors je vais conserver bien sûr mes items. Tant que je le peux. Chatoun, tu es deuxième. Oh non, le chompe. J'ai pas d'item. C'est oh là 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 là, je fais des erreurs. Hein. Des erreurs que je peux tellement éviter. Voilà, ça m'a empêché d'avoir une rouge aux fesses. Très bien, attention Will qui était premier tout à l'heure. Ah, ta banane, la banane de l'enfer. Oui, mais en fait, il fait plein de dérapages, mais bien sûr, c'est ce qu'il faut faire pour accélérer. Et la deuxième, est-ce que je peux... Ouais, je l'ai eu. J'ai deux rouges. J'ai 10 pièces. On est bien, il arrête pas de... Vous avez vu, hein? Il arrête pas de déraper. Ouais, sauf que moi, je me prends un peu les trottoirs. Évidemment. Je crois que je l'ai... Je sais pas si je l'ai arrêté ou pas. Ouh, le backspam de la rouge. Oh, la verte. C'est tellement dangereux. Ah oui, mais il a une rouge. Et voilà, ce qui est triste, c'est que juste avant la fin, je me retrouve dans la mêlée. Ah, c'est incroyable. Incroyable ce qui m'arrive durant ce tournoi. Ouais, je mets ça, on sait jamais. Je pourrais pas remonter extraordinairement. Bien joué Chatoun qui est cinquième. Allez, une petite plage. Tu aimes bien, tu me dis que tu aimes bien les musiques, toi, Chatoun. Les musiques sont très cool. Ah, mais j'aime bien aussi les villes. Mais en tournoi,
C'est assez compliqué. Elle est belle, celle de Londres. Berlin, magnifique. Et ceux qui me suivent le savent, celle que j'adore, ma préférée, c'est Madrid. En tournoi, il peut tout se passer. Il se passe souvent des choses catastrophiques. C'est malheureux, hein, mais c'est comme ça. C'est le jeu de la vie Mario Kartienne. J'ai voulu tenter mon truc que je fais d'habitude, c'est pas passé ici. Purée. Ok, des champis, full champignons. La rouge évidemment pour nous. Mais c'est en arrêté hein, aussi, à côté. Que des champignons, mais allez-vous-en avec vos bananes. J'ai conservé mon champignon, bien sûr. Chatoun qui est... Ah non, je croyais que c'était toi, Ambil. Mais non, c'était pas toi. On va couper, bien évidemment. Comme tout le monde. Non, hein. Oh, la bombe... Incroyable. Incroyable. Que des champignons. Oh là là. Bon, je crache pas dessus, évidemment. Allez, on remonte 5e au début du 3e tour. J'ai ça... Oui... Logiquement, voilà, je fais ça. Je fais ça, ça passe plutôt bien. À ce niveau-là, je récupère... Incroyable. Voilà, je savais... C'est tellement, tellement difficile. J'ai pas de pièces. Hein. Ouh, j'ai cru que j'allais me faire voler mon étoile, mais c'est bon. Quatrième, attention, je veux quand même le double item là. Histoire d'avoir une protection. J'ai pas de protection, donc on va se dépêcher. Pas de rouge, pas de rouge, je suis quatrième. Waouh, waouh, waouh. Bien joué, Chatoun, qui est juste derrière Pauline. C'est bien, t'as pris pas mal de points. Durant ces quatre, parce que toi, c'était la quatrième. Je sais plus, je sais pas où on... ce qui se passe au niveau des rooms. Et Monkey n'est pas avec toi aujourd'hui? Il t'a laissé toute seule devant le tournoi? Ça va, GG? Est-ce que tu remontes la pente? Il est à côté! Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Il observe. Ah, il joue pas! Ah, Monkey, tu ne joues pas, donc. Très bien. Parfois, c'est bien d'observer. Hein. Ça permet de se reposer, de se recentrer, de revenir en pleine forme pour le prochain tournoi. Oh, purée! Premier. Attention, ça rebondit. Piécette, bien sûr, que j'avale instantanément. J'ai encore une piécette, bien sûr. On s'attend d'avoir la tête de Pauline. Ça l'a eu.
J'ai pas de protection. C'est pas... Ouf, je sais pas ce qui... Qu'est-ce qui est arrivé derrière? J'ai pas très bien suivi. D'accord, champignon, je vais aller dans l'anneau. Le précieux. Ça, c'est bien. C'est bien parce que... Bah voilà, je garde... Voilà, on esquive, bien sûr, et j'ai ça en première position. Allez, on repasse encore sur les éponges. On peut prendre quelques boosts. J'ai loupé le dernier, mais c'est un chemin qui est pas mal. Voilà, j'ai plus de protection maintenant. Attention, c'est bientôt la fin. Là, je sais pas trop. Non, c'est bon. Je vais garder la pièce à la main. Et on aura eu notre première place de la journée. Yes! Salut Monkey, ça va? Ah, tu t'es entraîné ce matin pendant que ça ronflait? Ah bah je comprends hein, que t'as eu la flemme pour cet après-midi. Alors, t'y arrives bien maintenant au cut de Pic Deca? Bah je vais très bien, je te remercie. En forme, en forme. Et si ça pouvait tomber sur route arc-en-ciel, là, ça serait encore la folie. Là, j'aimerais bien m'entraîner sur l'espèce de petit cut qui se trouve sur Montagne des Cas, pas celui qui permet de couper les ravins. Enfin, un ravin. Mais l'autre... Celui qui permet de monter sur une petite crête. Eh bah tant mieux. Grosse progression sur le cut. Je suis comblé. J'ai ma petite map. Je peux dire que... Ah, j'hésite avec Madrid, Méandre madrilène. Les deux sont mes préférés de la vague numéro 6. Quel cut sur Volcan Grondant dans... Tu parles duquel? Tu me dis qu'il y en a un qui est tout bénef. Bon, c'est peut-être compliqué d'expliquer là par message. Attention, j'ai peur là, il y a beaucoup de lignes droites donc on sait jamais, ça peut tirer tout droit avec une verte. Là je vais pas faire... Superbe, voilà, faut pas que je me la prenne. Voilà, en fait je vais pas faire ce que je fais d'habitude, je pense que ça fait perdre du temps. Il faut prendre les petits boosts des deux grandes cavités. Voilà, ça va embêter quelqu'un. Je la mets là. Voilà, comme ça j'ai ma pièce en première position d'item. Mais voilà, des erreurs de... Non, c'est pas bon ça. Bon, ça va. En même temps, je suis sur un boost et ça, c'est bien. Ça me fait pas perdre énormément de temps. Alors, on va faire ça, voilà, et là aussi. Je sais pas qui j'ai eu. Je sais pas, je l'ai eu, donc je passe premier. Ah, tu parlais de Montagne Deca. Ok, attention. Oh là, elle a disparu. Une banane qui disparaît toute seule, comme ça, comme une grande. Bon,
Bah, j'en ai deux. J'en ai deux, je ne peux rien faire. Vas-y, éclate-toi, ma petite bleue. On est troisième. Bon, si je suis troisième, je suis content. Je vais pas faire ma fine bouche. Voilà, ça c'est bien. En fait, c'est plus sûr. C'est plus rapide, hein, vraiment, je pense. Ah, t'es remonté dans ta deuxième room. GG. Purée, j'ai pas d'item. Tu as combien? Tu as 42 points. Ça y est. Oh là 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 là. Et en plus, je crois que j'étais deuxième, donc je vais grandir après celui qui est devant moi. Mais j'ai des champis, c'est magnifique. Oh, je suis quatrième. Bon, ça me va aussi. Et je crois qu'il y a changement de room. Donc, au terme de ces 8 premières courses, j'ai 56 points, si mes yeux sont bons. Alors, qui dans la room? Alors, Emric 85, moi 71, KRM 72. Les trois ont des bons scores. Donc, on va faire attention à cela. Eh, mais c'est chez moi! Eh oui, c'est chez toi, mon petit Kogu! Ça fait quoi de voir ton chez-toi de cette façon? Ah, c'est beau! Regardez-moi ce beau ciel bleu! Salut tout le monde, ça va dans le chat? Ça va les viewers? Vous êtes en pleine forme aujourd'hui? C'est vrai qu'elle est belle cette course. Alors, j'avais dit, j'ai oublié déjà. Alors, première place, Juju, avec son petit Yoshi orange. Dernière place, Poupou, avec... comment ça s'appelle? Daisy? C'est Daisy. Donc, troisième tout à l'heure, on a vu... j'essaie de voir les trois que j'ai cités précédemment. Emric, second maintenant, avec son petit Yoshi bleu ciel. Il a copié sur Matteo pour le choix du personnage. Ok, troisième. Je regarde un petit peu, hein. Je zappe assez rapidement. Emric est en tête avec un klaxon. Il s'est pris un petit peu l'herbe, mais ça va, ça l'a pas trop ralenti. Il fait peur à tout le monde, hein, avec sa petite boîte rouge. On va le suivre. On va le suivre jusqu'à la fin de la course. Oui, il prend le raccourci ici. Ok. Il aura terminé sans utiliser son klaxon. Bien joué, Emric. Pour toi, Chatoun, 58 points en cette course. Alors, l'objectif 110, t'es à plus de la moitié. À même pas les trois. À même pas le premier tiers du tournoi. Donc, t'es bon.
Ah, ça y est, tu augmentes l'objectif. Ok, t'as augmenté de 40 points, tu montes donc à 150. C'est bien de se mettre un objectif qu'on peut changer en cours de route. C'est pratique. Non mais ouais, t'as raison, comme ça, ça motive encore plus. Nous sommes donc 10 dans cette room. On va voir ce que ça donne. Nickel pour commencer cette course. Je suis derrière Pitchette, attention. Je n'aurai pas le double item. Mais j'ai une protection. On va en profiter pour récupérer un max de pièces. Mais j'ai plus de protection! J'arrive quasiment jamais à prendre ces boosts, ce boost-là, en particulier à l'entrée du manoir. Ça tire, je l'ai senti derrière. Ça a frôlé, je crois. Ah tiens, hier, du coup, en off, j'ai encore, attention les flammes. Ah purée, mais je les ai vues en plus, hein. Mais lâchez-moi. J'ai réussi encore à esquiver une bleue avec un champi. C'est tellement beau quand ça nous arrive. J'en avais pratiquement les larmes aux yeux. Non, j'exagère. J'exagère pas trop. Ok, mon petit klaxon en première position. La petite sèche qui s'en mêle. Attention, je vois pas grand-chose. Du coup, j'ose pas faire d'écart sur la route. Bon, ça, je l'enlève. Voilà, on va faire ça. Arrête. Non, ma banane, c'est ma banane, je crois. C'est dommage, hein. Attention. On est deuxième. Et je me prends la bleue. Mais quel enfer. Ça va. C'est pas catastrophique. Ah, t'as résolu dans ta room, GG? Oui, c'est parce que... manque de confiance en toi quand t'as dit 110. Peut-être que c'était au tout départ ou... Non mais non, en même temps, au départ, t'as eu 22 points en deux courses. C'était bon, ça. Allez, je veux retenter Jardin Volant. Ah, du coup, dans ta room, GG, ça risque d'être compliqué. Si Rezop est là. En tout cas, pour avoir la première place. Après, ça, parfois, ça veut rien dire, hein. Salut Lou, comment ça va? Est-ce que c'est toi qui jouais hier soir? J'ai vu le pseudo DJ Lou avec Chatoun. Je me suis dit, tiens, elle a changé de pseudo Mario Kart. Eh ben, en pleine forme. Oui, c'était toi. Ma parraine, descend givré. On s'élance du haut de cet aérobus, je sais pas, c'est quoi comme engin? Va falloir que je regarde, va falloir que je le fasse en détail à la loupe ce circuit. C'est n'importe quoi. Le démarrage est chaotique pour tout le monde.
Objectif du jour, 162 points, c'est le score que j'ai fait la semaine dernière. Alors je sais pas trop ce que ça va donner. Au départ, je suis tombé sur une room très 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 compliquée. Ensuite, ça s'est un petit peu amélioré. Donc on verra. Bien. J'ai des champis, ça va m'aider ça. Pour couper à travers la poudreuse. Excusez-moi, il y a tout le monde qui passe ici. Oh. Bon. Et eux qui arrivent à fond de train derrière et qui poussent Pauline. Ouh, attention, Pauline qui part un peu en déconfiture. Mais moi j'aurai le double item. Mais j'ai le retour du bâton. Du boomerang. Et le fantôme, bien sûr. On a volé un petit champignon, mais au moins je peux éviter les attaques. Et la banane, bien sûr. Oh, je peux avoir des protections. Je sais pas trop ce que je fais là. Je laisse passer la bleue. Là. J'ai failli me prendre la bleue. Bien joué, ma petite Pauline. Je suis fier de toi. Ah, Chatoun qui dit ça y est, Lou est une vraie DJ. Oui, puisqu'elle a changé. Pourquoi? Enfin, pourquoi d'ailleurs? Parce que Lou, t'avais pas le pseudo DJ devant? Merci Lou pour ton bien joué. Merci Chatoun. Ah non, ton ancien pseudo, c'était c'était Didier Lou, je crois. Oui, c'est ça, voilà. Bon, est-ce que j'aurai ma plage aujourd'hui? Bien sûr que non. On retourne sur Montagne Choco. Bonne chance, Popo. Là, je sais pas trop. Double item ? Allez, double item. Le chauve-souris de l'enfer qui vient de nous casser la course. Sors pas ta carapace tout de suite. Ouais, j'ai hésité là. Tu la gardes à la main, ta carapace ? Oh, tu t'es pris un truc, j'ai pas vu. Hein. C'est pas gentil ça. Waouh. Ok, j'ai pas eu d'item ici. Merci, Waluigi. Merci, comment il s'appelle lui déjà? Je sais plus son nom à ce perso. Je l'ai fait exprès, je suis dégoûté. Pardon.
Mais non. Bon, je prends sur moi. Zazie m'habite, zen, soyons zen, attention. Ouais, ok, j'ai rattrapé un petit peu le coup. Nous sommes pile poil à la moitié du tournoi en termes de temps. Donc on verra si on peut faire les 24 courses. Puisque je suppose que la 12e arrive. Ah, on n'est plus que 6. Ça c'est graine. Et c'est là qu'il faut prendre un max de points. Yes, route arc-en-ciel, encore. Encore et toujours, bien sûr. Je pars en tête. Avec une piécette. Tant mieux, les items qui me sont destinés s'explosent avant. C'est très bien. Très très bon choix. Bien plus rapide comme ça, en effet. Et on est premier, toujours. Pour l'instant, aucun problème. Ça allait arriver certainement. Donc ça me fait pas peur. Ok, j'ai une bombinette. Dans un virage, c'est moyen, ça. Oh, oh, oh. Attention, je me protège. Non, oh, purée, la banane. Qu'est-ce que t'as pris derrière? Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas vu, j'ai pas eu le temps. Ah là 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 là, j'hésitais à sortir ma verte. En plus, je tombe. Bon, ça m'a fait éviter l'éclair en tout cas. Et ça, c'est bon parce que je suis en deuxième position, donc. C'est un mal pour un bien. En tout cas, je peux récupérer pas mal de points ici. Ouais, je crois qu'il a pas de protection, je sais pas. Alors, passe premier. Deux protections. Attention, je vois pas grand chose. Du coup, si c'est bon, ça va. Ça passe. T'as fait 70 points, GG, en 12 courses. Dur aujourd'hui. Comment ça allait dans la room de Rezop avec Rezop? C'est pas sa room, hein, mais. Lorsqu'il est là, c'est compliqué, on s'en souvient. Quand il s'est entraîné avec nous, ça crée des items de folie pour tout le monde derrière. C'est toujours comme ça quand il y en a un qui part vraiment devant. Et bien joué, ma petite Popo! Caro, c'est-à-dire.
Ah, j'ai pas compris ton message, GG. Alors, on le voit, Zelda 0027, 132 points. R. Kunder, 115. Et Mamat, 133. Les trois avec de très bons scores dans cette room. Ok, il est second. Lui, septième. Donc, c'est le deuxième. Et le troisième, j'ai oublié son nom, c'est Mamat. Mamat, troisième. magnifique pseudo. Qui est premier? Le Yoshi Prout, voilà. Ça va être à nous? Je me chauffe les doigts, je me chauffe les pouces. Je fais craquer les doigts, écoutez. Voilà, c'est bon. Les articulations sont chaudes. Et je rappelle, bon, il est affiché en haut hein, l'objectif, mais je le rappelle quand même oralement. 162 points, c'est l'objectif de la semaine dernière, enfin c'est le score de la semaine dernière plutôt. J'ai toujours mon record à 202. Je me demande bien quand je vais le dépasser, ce petit record. J'aimerais bien que ça ne tarde pas trop. Ah non, non, je veux pas Château Bowser. Hors de question. Oh, personne n'a choisi pour l'instant. Une personne. Et c'est parti pour Horloge Tic Tac. Ah, tu me dis que Rezop, c'était le moins pire de la room. Waouh, ça devait être chaud. Comment ça va, Chatoun? Ça se passe bien? Est-ce que tu as des encouragements de ton cher et tendre à côté de toi? Est-ce que, tu sais, comme lors d'un match de boxe, est-ce qu'entre chaque circuit, il te masse les épaules et tout ça? Il te détend. T'as rattrapé ton retard? 86 points en 12 courses, ok. Oh non, je tombe. Faut que je coupe. Je tombe, décidément. Ah, tu joues en mode portable? Ah oui, c'est encore différent de jouer comme ça. J'avais essayé, hein. C'est pas évident. J'ai mis l'étoile. C'est dire si j'ai du retard. Ça, bah, c'est pas mal groupé.
Ah, la rouge est pour moi. Juste. Juste au début du troisième tour, c'est difficile. Il faut stopper. On stoppe comme on peut, voilà. On roule sur les gens. Ouais, ça peut m'aider, ça. Hein. Oula! Double item, parfait. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, attention, si... Ah non, mais une verte en arrière, ici. En plus, ici, quoi. C'est pas dans la ligne droite, c'est là, dans le virage. C'est... C'est infâme. Infâme, ça. Ah, mon qui, je t'attribue tout le mérite. Bien sûr, je l'encourage. C'est grâce à moi si elle gagne. Heureusement que je suis là. Mais bien sûr, heureusement que tu es là, mon qui. Vous savez quoi, je choisis encore route arc-en-ciel. Vous me faites rire, j'aime bien. Eh ben c'est Roma, romantica. Eh oui, ça c'est mon accent italien du centre de Rome. Parce que j'ai été élevé dans le centre londonien, mais également au centre de Rome. Au centre de beaucoup de capitales européennes. Et ça s'entend. Attention, ta verte Zelda, Link, pardon. On passe premier. Yes. Je commence à... Ça y est. Ici, les trajectoires, je commence un petit peu à les connaître. Je m'entraîne pas énormément, donc... ça vient petit à petit. Ouais, je sais pas ce qu'il a. Ah mince, je comptais sur mon autre protection, c'est pas grave, on a des items devant. Là, j'ai 10 pièces, parfait, incroyable. Ça n'aura pas duré longtemps. Mais qu'est-ce que je fais? Quelle erreur. Je sais plus. Ah oui, alors je les connais, mais plus ou moins. Hein. Les trajectoires, ça dépend. Où ça se tire la bourre? Où ça se tire la bourre pour la première place? Voilà, je prends le petit truc là, le petit boost. Oh, je l'ai eu. Une bille, non mais une bille qui me double pour être premier. Non mais c'est incroyable ça. Et je sais pas, elle est où l'arrivée? Elle est là? Non? Elle est là? Je savais plus où était l'arrivée. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est faux, ils viennent me secouer en pleine partie. Oh, le vilain. Monkey a encore fait des singeries. Ah oui. Assurément, c'est le canapé direct, là. Je te comprends. C'est tout ce que tu trouves à dire pour ta défense, Monkey? C'était pour l'encourager? Aucune reconnaissance. Bien, bien, bien. Ça va, GG?
Moi, je pense que ça... J'ai pas regardé les points, d'ailleurs. Elle m'a traité de fifrelin. Bah ouais, mais là, tu l'as cherché, hein. D'accord, Resop 189, toi 94. Ok, ok. 101 points pour toi, Chatou, dans 13 ou 14 courses. On est parti sur Route du Dragon, j'adore cette course. On est 107 points. C'est là, 15e course. C'est dur, ouais, c'est dur, GG. C'est dur, c'est dur. Ah mais oui, c'est vrai que toi, Chatoun... Ah mais non, mais t'es toute seule, donc du coup, tu peux... Ah non, non, je dis n'importe quoi. Non, en fait, je faisais référence à quand vous êtes deux sur la même Switch, ça... Ça met les points à zéro lorsque vous changez de room. Mais rien à voir, du coup. Je m'en mêle les pinceaux. Petit double. Oula. Qu'est-ce que c'était? Un petit nid de poule. Et Route du Dragon, d'ailleurs, une map qui arrivera, alors je sais pas quand, hein. Peut-être que ce sera, attention, je mets l'étoile, bien sûr. Coupon ici. C'est magnifique cette étoile, l'étoile ici pour le raccourci, incroyable. Champi, c'est moyen quand même. T'aurais dû mettre ton étoile avant. Oh, les items de folie qu'on a. Bon, je me suis fait voler mon champi doré, mais où est le premier? Ah oui, là, il y a des items de malade partout, regardez. Je suis deuxième, je vois des bides derrière moi. C'est Prout hein, qui est là, qui est devant. Prout est bon. Peut-être le stopper un petit peu, ce serait pas mal. Oh, les boules de feu, les boules de feu. C'est bon, attention là. Ouais. Ah mais non, j'ai rien, j'ai pas de quoi me protéger, je suis dégoûté. En plus j'ai la plante qui me pourrit la vie. Non? Si, oui, je sais pas. Je suis pas, je suis perdu. Oh, j'ai pris la 4e place. C'est bien, ça me fait 9 points. Non mais ça va, je me suis rattrapé à la fin. Enfin, rattraper. Va dire que j'ai grappillé une place comme ça en sortant les rames. En pagayant. ...103 points pour toi, GG, en 16 courses. Ouais, c'est dur, c'est dur. Bon, je suis pas très loin. Je sais pas, c'était ma 17e, je sais plus. J'ai perdu le compte aussi. Je crois que j'ai 115. Non, j'ai combien? 116, 117. Un truc comme ça. Ah, c'est ton meilleur tournoi en ce moment, Chatoun. Bien. 15 courses, 107 points. Bon, le premier objectif est quasiment atteint. Maintenant, faut viser deuxième, 150. J'ai eu au moins 116, 116 points. Ah non, c'était ma 15e course. Ah non, donc je suis d'accord, ok. En fait, j'ai compris, enfin, je comprends un truc. Pour avoir un meilleur score, il faut que je chinte la première room du tournoi à chaque fois. C'est comme ça, c'est constant.
Ouf. Il y en a deux qui sont tombés. Très bien, ça nous arrange. Attention la banane, je te vois la banane. Ouais, bien sûr. Et arrêtez de m'enlever mes protections. Je n'en peux plus. Oh bah. D'accord. Qu'est-ce que je fais de ça? Ouais, allez, je la sors maintenant. Ça croque. Ça croque pas. Non, ça croque pas. En tout cas, ça fait peur un petit peu, hein, cette plante. Donc c'est pas mal. Une belle arme de dissuasion. Et le premier s'est un petit peu envolé. Oh, attention. Je m'écarte. Voilà. Qu'as-tu, toi, devant? Je sais pas ce que t'as pris comme item. Il est tombé ou pas? Lag? Ouais, c'est le Unnine, bien sûr. C'est bien, je te laisse passer ma grande. Et on prend le large avec deux champis, je vais les conserver. Quoique, j'ai pas de protection, alors... On verra. Protection, s'il vous plaît. Yes. Allez, maintenant. Et ben voilà, troisième première place, oui. De ce tournoi. En fait, je vais arriver un quart d'heure après le début, à chaque fois. Un quart d'heure après le début du tournoi. Comme ça, j'éviterai les quatre premières courses. Non, mais c'est triché, ça. Je le ferai pas. Oui, là, je peux réussir mon objectif. Parti comme c'est parti. Alors, à voir avec cette room, là, qui arrive. Mais il y a des chances. D'accord, oui, t'as vu ça, Chatoun, t'es arrivé en retard de deux courses. Et du coup, les rooms étaient plus simples. C'est bizarre, d'ailleurs. Oui, il y a ça aussi. C'est vrai que tous ceux qui s'entraînent énormément à Mario Kart sont là à 15h tout pile. Donc c'est sûr, on entre dans des rooms qui sont pas faciles. Ah, tu arrives dans la room de Rezap, Chatoum. Alors, bonne chance. Ça, c'est une bonne méthode, Monkey. Voilà, le mieux, c'est d'arriver à 16h30 pour éviter toute l'élite de Mario Kart 8. Bonne stratégie, ça. Ouais, pas mal, SZ Play, hein, GG. Mais qui vient de se faire... Ah mais non, j'allais dire qu'il vient de se faire doubler, mais non. C'était terminé. On l'avait déjà croisé, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Voilà, et en fait, moi, en fait ce qu'il faut, voilà, c'est des... En tournoi, je trouve, c'est des circuits courts et pas simples comme route arc-en-ciel, dans le sens où là, on peut se prendre des tombes sur la tête, on peut tomber, enfin voilà, des dangers un peu partout, mais pas des dangers que les joueurs...
que les joueurs provoquent. Je trouve que c'est les meilleures maps pour un tournoi. Voilà, c'est mon avis. Selon ma maigre expérience du tournoi des fleurs. Bon, ça fait quand même 23 fois que je suis. 23 fois que je me retrouve ici. Je commence à avoir un petit peu de. Ouais, je commence à choper des. Ouais, enfin, à savoir si telle map est intéressante ou non sur tournoi. Là, par exemple, je suis pas très fan de celle-ci en tournoi. Je l'adore, elle est belle. Et les trajectoires sont bien aussi, mais on va voir ça. Surtout la fin. La fin est, je sais pas, chaotique. Oh la barrière. Oh, tu m'as poussé, vilain. Oh, mais c'est pas vrai! Voilà, voilà, un petit peu pour tout le monde. Attention, la grosse plante qui croque. Je suis un petit peu. Oh, ça a touché. J'allais dire au hasard totalement. Là, ça touche ou pas? C'est loin quand même. Tu me la prends. Non, ça va. Ça va, ça va, ça va. C'était le retour d'une de mes flammes. Mais ouais, parce qu'il faut bien se mettre un petit peu plus de handicap, vu que c'est trop facile pour nous. Interdisons les backspams. Interdisons. Mais que pour les autres, pas pour moi. Les pauvres derrière, déjà qu'ils sont 11e et 12e, je l'ai ralenti avec une bombe. Je savais pas quoi en faire, j'avais pas envie de la balancer devant au risque de me la prendre. Allez, le double, double, double. Oh oh oh, Néo dans la matrice. Je balance, balance, balance. Oh, j'ai des champis. Attention, j'ai pas de protection par contre. Oh, attention. Ouais, mais non, 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 non. Voilà, la fin tellement chaotique. Voilà, on est 9e, donc très peu de points malheureusement. Ah, t'as été éjecté de la room, Chatoun. Ok. Tiens, Montagne des Cas. Montagne des Cas, est-ce que... Ben, ça va être l'occasion, hein. L'occasion de faire mes deux petits... de faire les deux petits cuts. Et de voir si ça fonctionne bien en tournoi, surtout. Parce que l'objectif, c'est ça, en fait. De s'entraîner hors tournoi pour que ça passe ici. Et t'as encore une course de retard de ce fait, bien sûr. Il nous reste encore 7 courses et il reste un quart d'heure de tournoi. Bizarre. Ah mais si aussi, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de room. Vu qu'on est peu, voilà, j'ai fait deux ou trois. Enfin, j'ai été deux ou trois fois spectateur.
Je pense qu'il y a de ça. Ah, j'ai jamais fait attention qu'il y avait des chauves-souris ici à Vancouver. Alors derrière, ouais, le problème c'est que derrière, ça va. Il va générer des items de folie, je pense. Regardez le bébé. Le bébé machin, Bowser. Je suis ravi d'avoir volé une pièce en 10e place. Quoique, je sais pas si, quand il y en a un qui a la traîne, si ça génère vraiment des items de malade. Plutôt le premier qui... Ouais, c'est plutôt avec le premier qui prend le large. Merci. C'est dur. C'est là, c'est à gauche, mais backspam encore, mais c'est... Oh, j'en peux plus. On a Jon Snow, on a donc un... Comment il s'appelle déjà devant? Un gardien de la nuit? Je me souviens plus, dans Game of Thrones. Ah, c'est à droite. À chaque fois, je me fais avoir. Oh, mais non. Tup. Pas facile, cette room. Oui, c'est vrai, ça. Certaines courses du dernier DLC... Enfin, du DLC et... Et notamment de la vague numéro 6 sont assez longues. Oui. Ça joue aussi, bien sûr, sur le fait de faire 24 courses ou pas durant le tournoi. C'est laquelle, la route arc-en-ciel de la Wii? Je réfléchis. Celle de la 3DS, elle est assez longue. Elle est très plaisante, mais longue. Celle de la 64, je vois. Ah oui, c'est celle de la Wii, celle-ci. D'accord, c'est la dernière, celle que j'adore. Ah, c'est vrai qu'elle n'est pas courte. Ouh, c'était juste. Hein. On prend large. À gauche? Non, pas à gauche. Oh non, mais non, mais oui, mais il m'a poussé. Salut Mathéo, comment ça va? Eh bien, merci. Tu me dis que tu me souhaites une superbe belle année 2024. Ne change pas et reste comme tu es, je te souhaite le meilleur. Bah, c'est un très joli message, je te remercie et je te dis exactement la même chose, Mathéo. Une très belle et heureuse année pour toi, ainsi que Camille. Soyez heureux, chérissez-vous, c'est le plus important. Et restez également comme vous êtes. J'ai une étoile en 5e position. Le doublé pour moi, oh là 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 là. Ça va, je reste constant.
J'ai des protections plus de l'attaque, j'en avais, mais j'ai plus rien, je suis triste. Cinquième, bon pour l'instant ça va. Toujours mieux que les dernières courses, les deux dernières. Ça touche pas devant. Voilà. Ou derrière il me fait peur. Derrière il me fait peur. J'ai double item, attention il y a une ville. Mais j'y crois pas, mais c'est dingue, c'est dingue. À chaque fois que je prends de bons items pour remonter, je y en a clair. C'est dégoûtant. Dépitant. Et ça va, milieu de tableau. Combien ? 146. Je suis à... petit calcul rapide. À 16 points de l'objectif. Et très belle découverte. On passe tout le temps d'excellents moments lors de tes lives. Merci Mathéo, je te remercie. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et moi pareil, je suis heureux de tomber sur des viewers comme vous, voilà. Qui font passer aussi un très bon moment, parce que c'est grâce à vous. Aussi, beaucoup qu'on passe de très bons moments ici. Donc d'ailleurs, je rappelle à celles et ceux qui veulent faire partie de cette chaîne, bah, n'hésitez pas à follow, et puis vous verrez, vous passerez de très bons moments ensemble, avec nous. Amateur de jeux vidéo dans cette belle galaxie faite de petites étoiles qui brillent. Et nous on part sur Circuit Mario, lequel, comment il s'appelle? Circuit Mario tout court. La 20e course, ensuite on change de room pour pas longtemps. Il me faut les pièces là. Il me faut les pièces. 2, 3. Oh, le bruit est comme une pelle. Comme s'il était rentré dans une pelle. Un bruit de métal creux. Génial. Et dis donc. Moi je prends large. Voilà. Ah, tu t'es trop approché de la plante pirada. C'est le jeu. Attention, faut regarder devant, Pauline. Sans quoi tu te prends des murs. La banane. Allez, devant, 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 devant. Ça touche pas du tout. Si, ça a touché. Incroyable. Je passe devant. Oh, peut-être que lui aussi, je sais pas. Est-ce que c'est moi, est-ce que c'est l'autre? Je sais pas. Là, j'ose pas. J'ose pas être au milieu. Je veux pas être une cible trop voyante. Oh, c'est incroyable, la bleue qui m'a pas touché parce que j'étais plus premier. Attention, là je me mets en protection. Enfin, je me mets une protection plutôt. Toujours bien de voler les pièces pour ne pas que les autres puissent en avoir. Attention. D'accord. Je voulais l'envoyer derrière. quelle horreur, j'ai pas de protection. Ah si, j'en ai une. Je sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas, apparemment c'est pas mal, hein, parce qu'il n'y a plus personne derrière, j'ai l'impression. Mon erreur m'a bien servi. Allez, on finit dans le panneau. J'adore. Oui, j'ai passé de très très bonnes fêtes. Merci Mathéo. Et ça continue encore ce soir.
On change de room, il reste 5 minutes. Merci pour ton GG, Mathéo. Bon, et on va terminer le tournoi. Du coup, vous me direz, hein, GG, tu me diras comment ça s'est passé pour toi. Idem pour Chatoun. On a un spectateur. Bon, ce sera la dernière course. Hein. Donc il en restera, il en manquera 3. Oula, dernière, peut-être pas. Ça dépend. Ça dépend. C'est dommage parce que souvent, on peut obtenir de meilleurs scores sur la dernière room. De la 21e à la 24e course. On n'aura pas le temps de les faire toutes. Tant pis, c'est comme ça. Il y a pas mal de bots ici. Alors, Pitchette en première position avec une banane. Chaton, oh chaton! Avec Peach combinaison, on dirait la Peach du film Mario. Villageois, oh un bot qui est troisième, incroyable, le villageois en plus. Personnage d'Animal Crossing, tiens d'ailleurs Animal Crossing, la carte de l'hiver est sorti dans Détail à la loupe ce matin. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Je sais que Chatoun, tu voulais voir si... si, je pense que t'as remarqué du coup depuis le temps, mais voilà. Là, j'essaie d'explorer un petit peu le monde hivernal d'Animal Crossing. De repérer toutes les décorations, les magnifiques décorations de Noël qui s'y cachent. Il y en a partout, c'est magnifique. Ça brille de mille feux. Allez, il faut que ça se finisse. Au moins qu'on termine sur une course et non pas sur un mode spectateur. Et si on finissait sur un flipper? Ça me botterait bien, moi. Allez, j'essaie avec ma télékinésie de guider le choix de l'algorithme. Voilà, ma télékinésie qui a extrêmement bien fonctionné puisqu'on retourne sur CQ Mario. Eh oui, ça aurait été exceptionnel, Mathéo. Ouais, je suis d'accord, mais non. Mais non. T'as fait 20 courses, Chatoun. Il me faut les pièces. Ouais, mais il les prend toutes. Non, pas du tout, pas du tout. C'est incroyable. Personne veut du double. Étrange, hein, quand même. Hein. Enfin bon, ça m'arrange, hein, moi. Je vais pas râler là-dessus. Je râle très peu. Hein. Un petit peu, légèrement, quand même. De temps en temps, il faut bien... C'est du Mario Kart.
Ah mais non, mais en plus il a pété ma rouge, quelle est... quelle, quelle déception. Je l'ai eu dans le virage. Super. La bleue qu'on laisse passer. On passe troisième, attention, mais j'ai pas eu le temps de me cacher en boue. De toute façon, j'aurais pas pu, avec ma plante de l'enfer. Merci, Chatoun. On va essayer de pas vous décevoir. J'essaye de pas vous décevoir. Oh, vite, 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 faut que je m'en débarrasse. Vite, vite, vite. Bon. Tant pis. Est-ce que je peux l'avoir? Je suis quatrième. Là, derrière, voilà. Là, là, l'étoile, l'étoile, l'étoile. Je comprenais rien, là, à ce qui se passait. Ouais, j'aurais pas le double. Trois champis. Oh, dommage. Bon. Dans le panneau, comme tout à l'heure. Bah voilà, on terminera ce tournoi de la Saint-Sylvestre sur le podium. Ah, merci pour vos encouragements. C'est fini pour toi, Chatoun. GG, est-ce que peut-être que tu es encore en train de courir? 171 points. Et il me reste encore 3 courses. Merci, Monkey. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Non, mais voilà, c'est pour ça, je m'inquiète pas. Si la première room, ça se passe très mal, je m'inquiète pas plus que ça. T'as fini 170 points en 23 courses, très bien. Oui, ça va, ça va, ça va. 130 pour toi en 20 courses, eh bien allez, bah, si vous voulez rajouter vos points manquants, c'est ce que je vais faire. Donc, 171 points en 21 courses. Va falloir rajouter 3 fois la moyenne. Je sors la calculette magique. Pour toi, Chatoun, ça fait 164 points. Super, est-ce que c'est ton record? 171 moi, divisé par 21. Ce qui me fait 8 en arrondissant. 8, 14, j'arrondis à 8. Il faut que je rajoute 24. Donc, 171, ça fait 175, 195. Bien! C'est bien ça. Oui, ça remonte toujours sur la fin, GG. Ouais, tout à fait. Hein. C'est pour ça qu'il faut rester présent et bien concentré jusqu'au dernier moment. Mais la première room est souvent catastrophique. Voilà, c'est comme ça. C'est Prout le meilleur du tournoi? Ouais, je suis tombé avec lui hein, tout à l'heure. Eh ben, bravo à Prout. 177 pour toi, du coup. Ok, ok. Bon, ça va, du coup, GG. T'es bien remonté après. Très bien. Donc, 195 pour moi, ce sera l'objectif de dimanche prochain. Bravo à tout le monde. Bravo à tous les participants. Merci à tous ceux qui ont regardé. Merci à Monkey, qui, grâce à lui, a fait... fait faire à Chatoun l'un de ses meilleurs tournois, bien sûr, il faut le dire. J'ai fait, alors avec, en gros, en comptant sur les 24 courses, j'ai fait 171 pour 21 courses, et ça fait du coup 195 pour le tournoi entier. Voilà, voilà, voilà. Très bien. Bon, eh bien écoutez, on va cesser là-dessus. Je vous souhaite un très bon réveillon. Voilà, amusez-vous bien. Faites attention, hein. Si on picole un peu, on prend pas la voiture, ça on le sait. Portez-vous bien, et puis je vous souhaite tous mes voeux pour cette nouvelle année. Voilà, que ça se passe bien, chérissez-vous, si vous avez la chance d'avoir un chéri ou une chérie. Voilà, sinon de la famille, voilà. Merci, très bon réveil à toi aussi, bonne soirée. Bonne soirée. Yes, on se revoit l'année prochaine. Tous mes voeux. On se revoit l'année prochaine, mardi du coup. Mardi après-midi.
pour on continue Zelda Ocarina of Time et je pense qu'on va pas tarder à le finir. Potentiellement mardi, hein, parce que il peut y avoir une session du soir aussi. Voilà, merci à tous. Très bonne soirée, très bon réveillon et à mardi, à l'année prochaine du coup. Ciao, ciao.